J'habite Molenbeek depuis longtemps. J'y habite et souvent j'y travaille. Je suis artiste et j'aime occuper l'espace public avec des œuvres d'art qui questionnent justement notre usage de l'espace public et qui se l'approprient. J'aime aussi monter des projets participatifs dans lesquels j'implique mes voisins, mes connaissances, mes amis. Dans le cas du projet Le Long du Canal, il s'agissait de créer un grand projet avec les habitants et donc il fallait passer par une forme d'autorisation et j'ai demandé de l'aide financière à différents partenaires dont le port de Bruxelles ou Bruxelles Mobilité et grâce à leur soutien financier et aussi administratif, technique et d'autorisation et j'ai pu le faire avec des subventions qui m'ont permis de payer toutes les impressions et le travail qu'il y avait derrière ce projet. Le cœur de ces projets-là, c'est souvent la réappropriation de l'espace public par les gens ou par les habitants, en invitant les gens à donner leur visage et à poser pour une photo. Et c'était juste là, en plus sur le canal, donc le lien était assez clair en fait. Hein. Simplement, ce projet, c'est aussi mettre des couleurs dans le quartier, le rendre plus sympathique, et où les gens s'y reconnaissent et s'y retrouvent et sentent que leur quartier leur appartient. J'aime beaucoup ce quartier parce que je trouve que les gens sont très sympathiques, très souriants, qui est lié aussi à la culture marocaine qui est très, très présente ici. Je connais tous mes voisins quand je vais dans les magasins autour de chez moi, ils disent « Salut voisin », voilà, il y a un côté très chaleureux. C'est vraiment parfait d'habiter là et je m'y sens très bien et c'est pour ça que je reste ici. Je suis Antoine Karamali, je suis artiste et j'aime occuper l'espace public.